Nabdi, bienvenue dans la 41e conférence bilan pour le mois de janvier 2017. Non? Donc, ça nous parle parler aujourd'hui. En fait, l'agenda du jour, c'est le jour électoral, c'est en fait l'activité et les actes de l'IGPNH pour le mois de janvier 2017. Et puis, enfin, nous allons parler des données statistiques. Mais nous ne pouvons pas passer sur ça pour ne pas parler de. En fait, pour ne pas présenter condoléances et sympathies à la famille inspecteur général Abner Villemé. Donc Abner Villemé, il est mort le 1er février 2017 dans l'hôpital suite à une maladie. Donc Abner Villemé qui m'a dit, c'était un cadre dans l'armée qui est intégré la police nationale le 12 juin 1995. Il était passé plusieurs postes, dont département, en fait, directeur départemental Nord-Ouest, directeur départemental Nord-Est, directeur départemental Artibonite. Et dernier poste, c'était inspection générale, côté qu'il a joué le rôle de l'inspecteur général en chef. Après, il a quitté le poste, il était à disposition CSPN et en fait pour d'autres activités. Inspection générale, profitez pour le présenter une fois de plus, condoléances et sympathies à la famille, l'inspecteur général en chef. Ça. C'est même bagaille pour deux policiers qui étaient morts et Baudemer de Limonade, suite à une arrestation, la police a fait. Donc, il y a deux policiers qui étaient lynchés par la population. Donc, qui, en fait, si circonstances et problèmes sont arrivés, c'est côté que les policiers ont poursuivi un bandit et puis ils ont couru. Malheureusement, ils ont tiré d'elle, ils ont mouru par la suite. Ils ont vandalisé le commissariat et ils ont poursuivi les policiers. Ils ont lynché deux noyaux, malheureusement. C'était Baudemer Limonade, dans le département du Nord. Nous allons parler maintenant de jour électoral. Nous constatons que sécurité élection, c'était un travail qui était bien préparé à l'avance. C'est un travail de longue haleine qui permet que la police ait fait une très bonne figure dans l'élection. Nous avons constaté que les policiers étaient neutres et impartiales. Les policiers étaient déployés dans tous 10 départements ont fait montre d'engagement et de professionnalisme. Mais pendant la journée, nous n'avons pas enregistré incident majeur, sinon quelques petits incidents mineurs, dont une dans le sud, côté qui a été tenté et attaqué en centre de vote, mais la police a réagi rapidement, elle a mis l'ordre dans des zones, avec dans le département centre, dans le lycée Mirbalet, côté que tu as des individus en fait, non identifiés qui ont lancé gaz lacrymogène sur le centre de vote, ça qui est dans le lycée. Et bien, les policiers qui ont fait sécurité dans le périmètre extérieur, monsieur Sayo, l'inspection générale a auditionné pour qu'on ait quel degré en fait passivité dans le cadre d'incident. C'était dans Mirbalet, dans le lycée Mirbalet, c'était dans un grand centre de vote. Il y a un policier tout et il était surpris avec un mandat d'amel, en fait un mandat de parti politique. Donc ce policier a été convoqué, auditionné à l'inspection générale. Et les décisions qui s'imposent vont être prises incessamment. Dans l'ensemble, l'IGPNH est satisfait du travail que les policiers ont fourni dans le cadre de l'élection SAIO dans le jour 29 janvier. L'inspection générale félicite le directeur départemental et elle félicite tous les policiers qui étaient en bas l'ordre et le commandement SAIO. J'en ai dit déjà, les sanctions seront prises à qui mérite les sanctions. Maintenant, les activités de l'IGPNH pour le mois de janvier 2017, c'était surtout la supervision des activités pré-carnavalesques. Donc, une fois que festivité ça a été lancée, l'IGPNH était sous béton pour la superviser. Est-ce que les policiers étaient en place? Est-ce que les règles d'engagement étaient respectées? Est-ce qu'il n'y a pas de écart? Ensuite, c'était plus grosse activité, nous, c'était le 29 janvier 2017, le jour des élections. Comme vous le savez, tout le monde est déployé et toute l'inspection générale également est déployée pour superviser le dispositif de sécurité et le jour de ces élections. Maintenant, on a passé dans le bilan inspection générale pour le mois de janvier 2017. Dossier que IGC signé et expédié au DGPNH au nombre de 90. Enquête ouverte pour le mois de janvier 2017 au nombre de 76. Et recommandation de renvoi de l'IGPNH dans le cadre des dossiers traités, il y a un nombre de 4, dont 2 pour viol et 2 pour homicide et blessure par balle. Et
acte d'enquête qui permet de nous réaliser ces 90 dossiers, n'a listé au bout, c'est 165 convocations, c'est 142 auditions, 29 enquêtes de voisinage, 29 invitations, 28 confrontations, 205 rétentions de chèques, 4 mesures conservatoires, 1 mesure d'isolement, nous avons 4 levées de mesures conservatoires, nous avons tout 2 levées de mesures d'isolement. Plainte que l'inspection générale recevoit pour le mois de janvier 2017, là, il y a un nombre de 65. Il y a 11 pour confiscation, il y a 1 pour abus d'autorité, 3 pour abus de confiance, 11 pour menace, persécution et intimidation, 18 plaintes pour agression physique, violence coup, nous avons 4 plaintes pour dette et escroquerie, nous avons 3 plaintes pour conflit d'intérêts, dont destruction de biens, nous avons 10 plaintes tout pour refus de prendre soin, nous avons 2 plaintes pour homicide et nous avons 2 autres plaintes qui ne correspondent avec infraction que nous-mêmes nous identifions. Enfin, le GPNH, une police professionnelle, respectueuse de la dignité et des droits de l'homme, remplissant sa mission dans le cadre exclusif de la loi. Donc c'est ça notre mission que nous allons poursuivre tant que nous existons. Vous dites qu'on a eu un policier, vous avez été un mandat, mais un mandat, un policier, ça a qui côté de lui? Et policier, ça lit sous contrôle IGPNH, donc la positionné. Et j'en nous disant incessamment la sanction, et je dirais compatible par rapport à son infraction, va être prise incessamment. Comment l'aider? Vous connaissez pas qu'à Bonnol. Après ça, vous avez deux policiers encore, dans le balai, vous mettez. Oui, nous ne pouvons pas mettre en isolement, mais nous avons un policier qui a fait sécurité extérieure dans le centre de vote, ça. Et il y a un nombre de 5 environ, ou il y a un nombre de 5. Donc, il y a sous contrôle l'IGPNH et on a en fait auditionné pour qu'on ait degré et implication dans le cadre de l'infraction.